Coucou, bonjour, je vous présente mon tag d'aujourd'hui et pour demain. Donc, on est déjà le 19 et demain nous serons le 20. Alors là, je vais faire très très simple, un tamponnage de fond. Le petit sujet, il était déjà découpé et colorisé, donc je n'aurai plus qu'à le coller. Et par contre, là, j'ai eu du mal, tout n'était pas découpé. Alors, le temps que je trouve mon cutter, mon petit cutter rotatif, bon, c'était découpé, peut-être pas très bien, mais ça l'était. Voilà, tamponnage et il manque le petit appareil, le petit, comment on appelle ça, comme une petite voiture, on ne sait pas où jouer, que cette petite fille, elle tient. Donc celui-ci, je ne l'avais pas tamponné, donc je le tamponne. Alors, j'ai regardé dans mes tiroirs et je n'ai rien trouvé qui pouvait correspondre à ce petit personnage bizarre. C'est pour ça que j'ai décidé, j'ai toujours des problèmes de gorge, c'est pour ça que j'ai décidé de faire tout simplement un tamponnage. Et voilà, c'est la première fois que j'utilise ce tampon, alors que ça fait un moment que je l'ai. Il a pas très bien tamponné sur la peinture. Donc je vais mettre des couleurs. Et comme à l'arrière, la petite fille a un vêtement bleu, je vais utiliser le même bleu, rajouter un peu de sur les lunettes un peu de jaune pour faire des lumières, Simone. Et je crois que c'est tout ce que je vais faire. J'ai également tamponné le journaling qui était avec. Bon, ben voilà, je voulais utiliser mes choses que j'avais à côté. Et finalement, j'en fais de nouvelles, mais je crois que je ne vais pas m'en sortir. Voilà, je découpe ce journaling. Je vais le coller. Je vais simplement faire une bordure, mettre le bord du journaling en noir et les bordures en noir. Et je vais rajouter des petits points blancs. Et même pas seulement des petits points blancs, je vais aussi rajouter un peu de blanc parce que c'est vrai qu'il a la chevelure. Le tamponnage n'a pas très bien pris, donc je rajoute des petits points puisque je fais des points. Je ne suis pas le poinçonneur de Lila. Voilà, ma création est terminée. À demain, au revoir.